Je pense profondément qu'au cinéma, la chose la plus importante, c'est de rêver. De se laisser aller au cœur d'un univers qui nous fera oublier nos petits problèmes du quotidien pour simplement nous rappeler notre imaginaire d'enfance, peut-être. C'est devenu chose difficile aujourd'hui quand on voit que pour beaucoup d'auteurs, il est plus simple d'opter pour la direction de la reprise, du remake, de l'inspiration ou de la nostalgie. Mais je pense profondément que lorsque l'on décide de faire du fantastique comme avec la science-fiction, on prend un morceau de réel pour créer une forme de fiction qui s'inspire du quotidien et de la manière avec laquelle on choisit de regarder la société aujourd'hui. Finalement, on regarde le cinéma comme si on s'y projetait. Et je pense profondément qu'au sein du 7e art, le genre qui nous permet le plus de nous plonger au cœur d'un univers reste tout simplement cet extraordinaire moment d'imaginaire pur et dur qu'est le fantastique, qui permet aux auteurs de développer des univers complètement fous, mais également de donner vie à leurs fantasmes les plus fous, par le biais d'œuvres jouissives et totalement délirantes, qui prennent la forme de catharsis créative qui nous emporte totalement, mais qui savent nous rappeler au réel. Il est indéniable qu'à mes yeux, dès que je me tape un coup de déprime ou que j'ai pas le sourire, le premier genre vers lequel je vais courir, c'est le fantastique. Je crois que c'est le genre que je préfère en termes de créativité, car au fond, un cinéaste va chercher à développer des personnages, à mettre en relief des situations, à construire quelque chose d'unique et de rare, uniquement dans le but que le spectateur se plonge à fond dans une œuvre et non simplement cherche à se mettre à la place du personnage. Et c'est peut-être en ce sens que je suis devenu fan des films fantastiques. Et dans le genre, beaucoup de longs-métrages, qui sont rangés dans d'autres genres du cinéma, restent pour moi des modèles de cinéma fantastique, et non des modèles d'un genre plus difficile en termes de code et de sous-code que peut l'être la science-fiction par exemple. Et c'est cette liberté de créativité, cette inventivité constante, cette obsession justement de la création, qui a pour moi donné lieu à des grandes œuvres majeures du 7e art, qui encore aujourd'hui me fascinent et me donnent envie de me plonger à 200% au cœur d'un moment de cinéma dont je ne vais pas ressortir indemne, pour la simple et bonne raison que je suis amoureux de ces personnages, de ce monde, et que je ne veux pas en sortir à la fin. Ingéniosité, créativité et inventivité sont les mots qui pour moi définissent le mieux ce genre de cinéma extrêmement rare. Je crois que la première fois que j'ai pris conscience de cela, c'était tout simplement devant un petit dessin animé, quand j'étais tout jeune, devant la beauté immense et la justesse des quatre dinosaures, qui malgré son statut un peu étrange de film d'animation en concurrence directe avec Disney, reste pour moi quelque chose de complètement ancré dans ma jeunesse. Ce n'est pas forcément que le film soit brillant de bout en bout, c'est simplement qu'étant tout petit, j'étais fasciné comme beaucoup de petits garçons par les dinosaures, et que dans ceci, je projetais une certaine forme de passion pour le passé, chose transmise par ma mère, et le fait de voir un petit garçon rencontrer des dinosaures ainsi, ça m'avait fait quelque chose à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. J'avais hésité avec les Tortues Ninja, les films bien sûr, mais après un peu de recul et un revisionnage, je me suis rendu compte que cela aurait été moins intéressant à vous raconter clairement, et que surtout, cela avait eu un impact moindre sur mon enfance, alors que là, le long métrage de Don Bluth, produit par Spielberg, était exactement dans l'idée de ce que j'aimais et dans ce que j'éprouvais le plus dans ce genre. Tout comme j'aurais pu vous citer d'ailleurs dans un autre registre, Rocorico. Simplicité et efficacité ont souvent fait bon ménage à mes yeux, et ce film, bien que un peu enfantin, en est pourtant la preuve parfaite. Mais lorsque je parle de cinéma fantastique, étrangement, j'ai tendance à tout de suite faire référence au cinéma de super-héros et à ce long-métrage fantastique qui reste pour moi la première claque super-héroïque de ma jeune vie, le visionnage d'un film de Sam Raimi, grandiose, sur un homme au pouvoir d'araignée, Spider-Man. Encore aujourd'hui, certains considèrent que le long-métrage a mal vieilli. Mais franchement, je ne vois que du bien là-dedans. Une mise en scène qui était encore ancré dans l'époque à Villarad, donc avec une ambition folle et une démesure de chaque instant. La mise en place de manière intelligente d'un grand personnage et la construction d'une base qui sera l'essence même du genre aujourd'hui pour un moment de cinéma tout simplement époustouflant de justesse et de grandeur de bout en bout de métrage. Et c'est tout simplement pour cela que je suis fou de ce film et que je ne cesse de me dire face à celui-ci, quand je le revois, qu'il a refaçonné notre époque. Pour moi, c'est le plus grand à égalité avec le deuxième Spider-Man et le deuxième X-Men, film de super-héros de tous les temps, sans le moindre doute. Fantastique est souvent ce qui définit ce qui nous inspire. Et Peter Parker est peut-être l'une des plus belles formes d'inspiration au sein du cinéma super-héroïque. Mais quand on parle de fantastique, on le mélange surtout avec la science-fiction, parce que certaines œuvres de science-fiction ne le sont finalement pas du tout, mais ça, il faut avoir un petit œil d'expert. Comme c'est le cas, finalement, d'une très grande saga du cinéma, considérée comme futuriste, alors qu'étrangement, elle se passe dans le passé.
Star Wars L'Empire Contre-Attaque est la première fois que j'ai eu des frissons face à une œuvre de cinéma, me demandant ce que je venais de voir étant tout jeune, et quand je dis tout jeune, j'avais 4-5 ans, et surtout, pourquoi cela me faisait autant d'effet. Et même encore aujourd'hui, je ne considère pas simplement le deuxième volet de la trilogie originale comme un grand film, mais tout simplement comme un chef-d'œuvre essentiel et important du 7e art, car c'est ce qu'il est au bout du compte. Le long métrage est tout simplement grandiose de bout en bout, et prouve de manière définitive que ce n'est pas forcément entre les mains de Lucas que la saga a connu ses plus grandes heures, mais finalement entre les mains d'un homme capable de prendre un tout petit peu de recul par rapport à la dimension fantastique du récit pour lui donner un sens tragique et humain, et ainsi saisir le spectateur à la gorge de bout en bout de métrage. Et c'est ce qui se passe ici, de manière brillante. Une grande épopée qui a clairement redéfini le genre du fantastique au sein d'un cinéma américain, qui à cette époque-là, n'arrivait pas forcément à se projeter dans ce type de cinéma. Une des plus grandes épopées fantastiques que j'ai connues, et qui m'a transporté au fil de trois volets passionnants et foisonnants d'idées complètement folles, et d'un humour terriblement jouissif, c'est la trilogie de Robert Zemeckis autour du voyage dans le temps, Retour vers le futur. Oui, pour moi, cela reste du fantastique, car on est sur une œuvre qui met en scène quelque chose de finalement très peu probable dans un futur proche, ou même simplement envisageable, et pour le coup, c'est cela qui me plaît, me fait rêver, et m'embarque totalement dans un univers foisonnant de petites idées et de délires qui me passionnent totalement de bout en bout. J'adore la finesse de l'écriture, la jouissance des péripéties qui se mettent en place devant nous. Je ne saurais pleinement vous dire ce qui me passionne dans cela, mais je trouve que tout est juste. Que ce soit le jeu avec le cinéma en lui-même, la manière de concevoir une certaine forme de rire par le décalage, le subtil acheminement de chaque information vers un spectateur de plus en plus captivé par tout ce qui se passe, bref, il y a du cinéma tout le temps dans ce métrage tout simplement fou et délicieux à savourer. C'est pour ça aussi que j'aime le fantastique, pour son côté un petit peu décalé, mais pour autant qu'il n'oublie pas d'ancrer un récit dans la réalité. Mais surtout, je crois que ce qui m'a fait le plus voyager dans le genre du fantastique, c'est un cinéaste qui sait exactement comment développer un imaginaire et comment faire en sorte de passionner de bout en bout le spectateur pour une quête légendaire guidée par des personnages plus qu'attachants. Peter Jackson a livré au cinéma un grand moment de fantaisie et de fantastique, avec les deux trilogies en Terre du Milieu que sont Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Mais c'est véritablement, étrangement, les deux tours qui restent mon volet préféré de cette saga. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu, n'étant pas forcément au courant de ce qu'était l'œuvre de Jackson à l'époque ou de Tolkien, et tombant par hasard sur cela en regardant la télé chez mes parents. Le choc fut instantané. Et si pour beaucoup ce deuxième volet est considéré comme lent et pas forcément très intéressant, je trouve que la marche des Ents, la bataille du gouffre de Helm, la course-poursuite de Aragorn, Gimli et Legolas vers Merry et Pippin, tout cela est juste haletant, brillant, passionnant, puissant, bref, je pense profondément qu'il s'agit du meilleur long-métrage fantastique que j'ai vu et qui a forgé mon enfance, tout simplement. Je pense que, sans cela, je serais clairement pas le cinéphile que je suis devenu aujourd'hui. Ça, c'est une chose qui est sûre. Au cœur du fantastique, j'ai trouvé cette idée d'imaginaire, cette idée de création, de conception, de développement et d'immersion, cette sensation que, par le biais de ce genre, le cinéma m'ouvrait une porte dense et profonde, celle de l'imaginaire d'un cinéaste qui cherchait à aller bien plus loin que simplement mettre en scène de la fiction, mais littéralement faire en sorte que la fiction soit sienne et que l'imaginaire soit décuplé à son paroxysme. Je pense profondément que grâce au cinéma fantastique, le 7e art a trouvé une grande porte pour développer des univers, inciter le spectateur à se plonger corps et âme dans un métrage, bref, à laisser une œuvre de cinéma le passionner et l'emporter totalement au sein d'une batterie d'éléments qui forge la grandeur du 7e art et son potentiel le plus impérial, l'imagination. En laissant cela prendre le pas sur l'idée de création, le cinéma devient alors une immense porte ouverte vers un imaginaire et une créativité tout simplement infinie.